Les Sentiers de l'Indre du Perche sont nés suite à un petit groupe vraiment amateur de longue distance et on souhaitait lancer un sentier de l'Indre dans le Perche. On a créé une association qui s'appelle les Sentiers de l'Indre du Perche et qui a pour but de faire connaître le Perche, le patrimoine, les 15 communes environnantes et aussi pour faire revivre un peu l'histoire de Gilbert Roger qui était natif de Frasé et un ancien champion du monde de marche à pied longue distance. Là, on donne les t-shirts qui sont offerts aux participants, c'est tout. Et on signe, en fait, on fait une petite croix sur leur fiche pour dire qu'ils ont eu leur cadeau et puis on leur souhaite bon courage. On a les t-shirts, les dossards, d'aider les gens à préparer tout pour aider l'association. C'est de l'animation pour le milieu rural. C'est très important de faire vivre la convivialité, d'autant plus qu'il y a beaucoup de citadins qui viennent et qui vont découvrir le Perche. S'il y a des bons petits ravitaux, ça va aller. S'il y a de quoi boire, j'ai ma pipette, j'ai mon petit truc. C'est de faire vivre un petit peu ce village que nous aimons beaucoup et avec ce beau temps, ça tombe très bien. C'est pas une première pour monsieur, pour moi oui. Donc on est bien accueillis déjà, donc déjà ça nous donne des forces et des vitamines pour la journée. Alors on est parti sur 50 km. Alors pourquoi 50 km? On a une équipe qui pourrait faire 100 km. Mais vu qu'on ne court pas pour nous et qu'on court pour nos pilotes, donc des personnes en situation de handicap, la nuit c'est moins intéressant pour eux puisqu'ils ne voient évidemment pas où on passe. Donc nous l'objectif c'est de leur faire parcourir des endroits qu'ils peuvent voir. On a une grande société qui s'appelle Chart Handisport et Andiron sont attachés avec Chart Handisport Loisirs. 100 km, 25, 50. Peut-être 100. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la forme. Voilà, on n'a pas voulu se lancer sur les 50, mais bon, on verra plus tard. En cause de la chaleur, donc voilà. Donc, 25 pour cette année, ça ira bien. Bravo à tous les bénévoles qui organisent ces 100 km. Bravo à ceux qui les... On fait même appel à nos futurs bénévoles. Premier ravitaillement depuis Trizé. Là, nous fait 6 km presque. J'ai des ampoules, tout simplement. Et là, avec ça, j'ai pas d'ampoule. Pour être sûr que les gens sont bien passés au contrôle, ils ont bien fait le circuit qu'on leur proposait de faire. Moi, j'ai pas de feuille de route. Ça, c'est une vie de cassant. Pour le 10e anniversaire des 100 km du Perche, en 2010, nous étions 169 à peu près au départ et chaque année on progresse et là on est arrivé à 600 personnes en 2019 et on a de plus en plus de longues distances. J'étais bien et il y a une petite portion de plat mais au soleil, donc j'ai voulu accélérer un peu et puis la respiration a relativement été déficiente, donc maintenant je la remets en place et puis je repars. C'est un parcours assez difficile. Finalement, le 100 km du Perche est réputé être difficile parce que les gens pensent au Perche, mais ils ne pensaient pas découvrir le Perche aussi dur. Thank you.
Bourmiche. Le 100 km du Perche n'est pas une compétition, c'est une randonnée, c'est un défi que chaque marcheur se lance pour arriver au but qui s'est donné. Je trouve ça superbe et c'est une grande victoire. La victoire est pour tout le monde, pour chaque participant. C'est tout, il y a un kilomètre, alors excusez-moi.